L'effet de masque prend en compte la présence ou l'absence d'obstacles entre l'émetteur et le récepteur. Le niveau de puissance peut donc être plus important ou plus faible que celui prédit par Okumura Hata COS-231. Donc, c'est la réponse intermédiaire qui est la bonne. Dans le vide, on a une propagation parfaite. Il n'y a donc pas d'effet de masque dans le vide. Mais avec le modèle que nous avons pris, si nous considérons un écart-type d'effet de masque 0 dB, ça veut dire que le niveau reçu est exactement celui prédit par la formule soit d'Okumura-Hata, soit de propagation dans le vide. Donc, on peut répondre 0 dB.